Importer 75% de ses besoins nutritionnels, dont la viande, les volailles et les produits halieutiques, ce qui représente annuellement 170 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 85 milliards de dollars, le gouvernement de la République du Congo tient aujourd'hui à y mettre fin. Depuis la chute du prix du baril de pétrole en 2014, qui met à mal l'économie nationale, le pays qui a opté désormais pour la politique de diversification de son économie, que prône le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, mise sur l'agriculture qui bénéficie d'un regard tout à fait particulier des pouvoirs publics. 4,6 milliards de francs CFA sont consacrés au programme agricole, un programme très ambitieux retenu cette année par le ministère en charge de l'agriculture, après sûrement avoir tiré les leçons des années passées, pourtant marquées par l'expérimentation d'une multitude de programmes gouvernementaux mis à l'épreuve. Malgré cela, la production locale demeure insuffisante à la demande. Les consignes du chef de l'État à ce propos, lui-même grand agriculteur, ont été entendues. Chacun doit se déterminer. Maintenant que nous engageons dans une action collective, il faudrait simplement que l'on s'appuie mutuellement pour y parvenir. Les fonds publics vont permettre de relancer ces spéculations. Il faut bien qu'on produise de la viande, qu'on produise du poisson. Il faut bien que l'on produise des produits du maraîchage. Il faut assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, dans la production des denrées alimentaires, le salut ne viendra pas toujours et surtout d'ailleurs. Certains jeunes agriculteurs l'ont bien compris et se mettent à l'œuvre. Vous avez les produits qui sont là. C'est des producteurs congolais qui ont aussi donc fait ces pépinières de plants, des avocatiers d'espèces améliorées, des safous d'espèces améliorées, des manguiers d'espèces améliorées et tout ce que vous avez comme produit pour pouvoir enrichir votre verger. Promouvoir donc des produits qui permettent de minimiser notre consommation donc de tout ce que nous avons comme ressources naturelles au niveau de nos territoires. Ainsi s'attellent les Congolais par tous les moyens à booster leur économie.